Actuellement, sur le Grand Paris, on a déjà démarré une partie phase travaux sur quelques lignes du Grand Paris Express pour les évacuations donc, des déblais de gare. Donc ces produits-là, nous, on les récupère pour être complètement en valorisation. On a deux schémas, soit on part directement sur des flux routiers en remblaiement de carrière, soit on essaie d'utiliser des modes alternatifs, que ce soit du fluvial ou que ce soit du ferroviaire. Le Grand Paris, c'est des cadences avec des tunneliers qui vont sortir à plus de 2000 tonnes jour par tunnelier. Bien sûr, on ne peut pas se permettre d'arrêter un tunnelier. La fiabilité sur les machines est extrêmement importante. On a un parc de machines qui est composé d'une quinzaine de pelles de marque Liber. Donc on a des LH40 et LH50. Donc ça, c'est encore plus moderne, c'est encore plus neuf, c'est encore plus gros et c'est encore plus précis. Ça bouge pas, c'est vraiment la continuité de notre bras et c'est très plaisant de travailler avec. Ce qui me plaît, c'est qu'on a l'impression en fait, de se sentir comme dans une voiture. En fait. On n'est pas secoué, il n'y a aucune vibration. Le confort pour le conducteur est vraiment bien. Il y a de nouvelles technologies. On peut même lever, baisser la cabine avec juste une touche. L'Hébert, ça nous aide à être vachement précis comparé à d'autres engins. Quoi. On est vraiment très fiers, enfin, que ce soit toutes les équipes, hein, qu'elles soient terrain, commercial et autres, sont vraiment ravis de pouvoir partager ce projet-là. Et on est vraiment très fiers de pouvoir construire la ville de demain. Se dire qu'on a participé à la réalisation d'une gare, c'est bien sûr hyper important.